On va vider celui-ci. Le collectif Nomégo s'occupe de la sensibilisation autour du déchet toxique qu'est le mégot de cigarette. Nous nous occupons également de la collecte et nous passons ensuite le relais à l'entreprise Chaomégo qui s'occupe, elle, de la partie d'eau de pollution, recyclage et valorisation de la matière première qu'est le mégot de cigarette. Super. On a souhaité faire ce partenariat parce que l'idée n'était pas simplement de nettoyer ou en tout cas d'empêcher la prolifération des mégots au sol. L'idée était aussi de pouvoir faire en sorte que ces mégots dont on sait qu'ils ont un impact écologique extrêmement lourd puissent devenir une ressource. C'est tout ce qui a été extrait de la matière qu'on a inséré dans la cuve et ce qui ressort en concentré. Ça contient à peu près 5000 substances toxiques. En grande partie, c'est de la nicotine. La vocation de devenir un acteur majeur du recyclage du mégot de cigarette en France, mais aussi sur le territoire européen. On va investir un site industriel pour pouvoir traiter beaucoup plus de mégots et sur toute la France et aussi sur le territoire européen.